de Reddit, Canada français. Une compilation de Reddit, faites leur main. Que l'arnaque est tellement normalisée que les gens ne s'en rendent même pas compte. Les faux avis, ils sont partout maintenant. Parfois, je ne fais même pas confiance aux commentaires de Reddit ou de YouTube, car je ne serais pas surpris s'il y avait des usines de l'entreprise qui commentaient la qualité de leurs produits. Les heures supplémentaires non payées. Tout travail que vous ne pouvez pas effectuer pendant vos heures rémunérées doit être effectué par un employé supplémentaire que l'entreprise paie. En faisant des heures supplémentaires non rémunérées, vous payez le coût de votre temps et vous en faites un don à votre employeur. Si une entreprise ne peut pas se permettre de payer ses employés pour tout leur temps de travail tout en restant rentable, elle n'est pas une entreprise viable et doit restructurer ses processus et ou ses tarifs. S'ils peuvent se permettre de le payer, mais choisissent de ne pas le faire, ils vous volent. Les centres d'achat. Il y avait un grand épisode de Adam Ruins Everything sur eux sur la façon dont vous n'obtenez pas réellement des produits haut de gamme marqués, juste des produits spéciaux fabriqués à bas prix créés par des marques pour les centres d'achat. Certaines entreprises les utilisent pour vendre les erreurs qui ont été commises et ne respectent pas leurs normes. D'autres les utilisent comme produits de liquidation pour les dernières années saison afin que vous puissiez parfois obtenir un accord, mais le reste n'est que du remplissage afin qu'il n'y ait pas de magasin à moitié vide. Le fast fashion ou mode rapide si vous voulez. La raison pour laquelle vos vêtements ne sont pas beaux une fois que vous avez commencé à les porter est qu'ils étaient censés à se casser décolorés après le premier lavage. Ainsi, vous pouvez continuer à acheter de plus en plus. La qualité de H&M a chuté, mais vous pouvez prolonger la durée de vie des vêtements de mode rapide comme les leurs en les lavant et en les séchant en mode délicat. Les autos sont de plus en plus difficiles à réparer soi-même afin que quelqu'un d'autre puisse être payé pour résoudre le problème. Aussi, les appareils électroniques qui ont des vis que la personne moyenne n'a pas l'outil pour l'ouvrir pour essayer de le réparer lui-même. La pandémie a vraiment mis en évidence pourquoi le droit de réparer devrait être un choix évident droit. Maintenant, nous ne pouvons pas réparer les choses essentielles au maintien de la chaîne d'approvisionnement, parce qu'elles devaient être rendues spéciales et intentionnellement impossibles à réparer à la maison. C'est aussi un fardeau énorme pour les couches les plus pauvres et les plus vulnérables de la population. La publicité. La publicité est partout, tabarnak. Elle prend vos pensées, elle est placée sur votre visage, chaque site a une fenêtre contextuelle. C'est flashy, planifié, de la manipulation. C'est au point où l'espace publicitaire disponible a été tellement encombré que votre attention est achetée et vendue sur les marchés. Nous serons obligés de porter des lunettes de protection et des écouteurs juste pour pouvoir filtrer ce à quoi nous sommes exposés. En l'an 2525. Le besoin d'expérience pour un poste de niveau d'entrée. Je me souviens du plus gros cas de connerie dont mon ancien travail de vente au détail a essayé de me convaincre. Nous ne pouvons pas vous donner de travail à temps plein, car la loi de l'État nous obligerait à vous donner des avantages. Heureusement, il existe un moyen de contourner cela où nous pouvons vous donner des heures à temps plein pendant 2 semaines, puis moins d'heures la 3e semaine. De cette façon, nous pouvons encore vous donner près d'heures à temps plein. Ils m'ont présenté ça comme s'ils me faisaient une faveur, en me donnant des heures supplémentaires. Alors qu'en réalité, ils se félicitaient d'avoir trouvé un moyen de faire travailler les employés à temps plein sans les rémunérer correctement. Le pire, c'est que beaucoup de mes collègues l'ont cru. Parce qu'ils avaient besoin de plus d'heures pour payer leurs factures et étaient convaincus que l'entreprise leur rendait service. Le recyclage du plastique. Le concept semble génial et pertinent, mais tant de plastique n'est pas réellement recyclé et réutilisé. Le recyclage a été poussé par les entreprises qui produisent le plus de plastique afin que les consommateurs se concentrent sur un projet d'éco-responsabilité « Je sauve la Terre » par rapport aux déchets de ces entreprises. Pas une arnaque, mais une demi-vérité. Lorsque votre opérateur mobile vous propose une mise à niveau gratuite vers la fin de votre contrat, ce n'est pas gratuit. Les 2 ou 3 ans du contrat seront plus que payer le téléphone. Achetez le téléphone que vous voulez à l'avance, puis obtenez un contrat SIM uniquement. C'est plus d'argent à l'avance, mais cela vous fait économiser beaucoup d'argent sur la durée de vie du téléphone et réduit ce que vous payez par mois. Les cartouches de gaz de recharge SodaStream. Ils facturent $30 chacun et durent quelques mois maximum. Enfin, j'ai acheté des réservoirs de gaz de paintball et un adaptateur d'Amazon.
Cela me coûte maintenant 5$ pour faire le plein chez Canady Untire. Eddie, merci à tous pour le souci. Cela ne m'a pas vraiment traversé l'esprit à propos du CO2 de qualité alimentaire, ce qui est un excellent point. Plusieurs commentateurs ont souligné se rendre dans un magasin de brassage et utiliser à la place du gaz pour la carbonatation de la bière. Ce serait de qualité alimentaire avec les économies de coûts. Le fait que le service clientèle a été remplacé par une attente indéfinie, suivie des réponses d'une personne qui parle à peine le français et n'a aucune connaissance ou pouvoir de faire quoi que ce soit. Mais il n'y a aucune adresse courriel d'entreprise, nulle part. Les dentistes. Des astis de marque de calice. Chaque fois que je suis allé chez un nouveau dentiste, il m'a dit que j'avais une carie. Et les premières fois, je les ai crus et ils m'ont rassasié. Au cours de la dernière décennie, j'ai consulté environ 10 dentistes différents et ils m'ont tous dit que j'avais une carie et que j'avais besoin d'une obturation, mais comme par magie, cela disparaît lors de mon prochain rendez-vous où le nouveau dentiste me dit que la carie a été déplacée à un autre endroit dans la bouche. Les professionnels de la santé sont les plus grands escrocs et personne ne les appelle jamais pour leur connerie, car ils sont suffisamment stigmatisés pour commencer. Merci d'avoir regardé Demande Redis Canada français. Assurez-vous d'abonner à la chaîne pour regarder plus des vidéos comme celle-ci.